Hemengo ekoizleak eta produktoreak sustengatu nahi ditugu, kalitatezko eta ekologiko laborantza sustatu nahi dugu ere. Bidarteko labela sortu dugu, garantia eman nahi dugulako, hemen saltzen diren ekoizpenak egiazkiz Euskal Herrian eginak direla, bai Euskal Herritarrei eta bai Udartiarrei. Gure helburua da ere Euskararen erabilpena garatzea. Bernat Etxepare idazleak zion bezala, Euskara jalgia diplazara. Cette nouvelle façon de faire le marché à Bidart, elle a un intérêt économique, d'abord, puisqu'on fait venir pour notre territoire des producteurs issus du Pays Basque. L'autre intérêt, il est évidemment culturel. Bidart est une commune du Pays Basque, un village basque sur la mer, et il entend protéger, valoriser son territoire, et donc aider les producteurs du territoire à faire leurs affaires ici. Et puis c'est un intérêt social, parce qu'on démontre notre intérêt pour ces politiques, donc encore une fois, de circuits courts, qui ont aujourd'hui toute leur place dans une économie globalisée, où on nous vend des produits qui arrivent de partout. Essayons d'avoir des produits de qualité issus du territoire. Et donc c'est une autre façon à nous d'être modernes que d'encourager une nouvelle façon de consommer. La municipalité de Bidart nous a sollicité. On a trouvé cette idée fort intéressante. Donc on va porter notre notoriété. Les frères Ibarbo sont déjà depuis de nombreuses années dans la jolie ville de Bidart. Concrètement, en fait, donc le premier jour de la foire, on va venir participer en créant un petit stand, et on va avoir également donc des fournisseurs qu'on connaît très bien à côté. Donc ça va pouvoir, on va également pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec leurs produits en cuisinant simplement et en offrant donc ces petits tapas aux gens qui viendront ce jour-là à la foire.